tous les thèmes qui sont abordés par la série, un dans chaque saison, lequel a eu vraiment, vous avez ressenti le plus de trucs et vous avez a eu le plus d'impact sur vous? Alors, bah en fait, il y a plein de facettes pour moi à cette question, parce que je trouve que à l'époque où on a tourné, pour moi, c'était celui de notre saison qui était le plus important. Celui qui m'a le plus touché en tant que personne qui a joué dans la série, c'est le sujet de la santé mentale, personnellement. Et celui qui m'a le plus touché en tant que spectateur, c'était sur le handicap invisible. La saison 5 de, je sais pas, ça m'a beaucoup touché parce que je connaissais rien du tout aussi. Donc c'est je pense qu'il y avait une part d'éducation là-dedans. Mais ouais, du coup, voilà, en fait, en tant que, comment, en tant qu'acteur pur, la saison 3, voilà, toute la thématique de la saison 3, en tant qu'humain derrière l'acteur et qui apprend des choses sur lui-même en jouant un personnage, parce qu'on apprend beaucoup aussi en interprétant, c'était vraiment ce side de la saison 3 sur la santé mentale. Et en tant que pur spectateur qui reçoit des émotions, c'était la saison 5. Voilà. Ok, so the question was, with all the topics mentioned in Scam, what was the most striking and most important to him? So he kind of separated his answer in three parts. As an actor, he said that obviously his season was the most striking because it was important for him at the moment. Still important. Obviously it's still important, but you thought that pour toi, c'était ce qui avait le plus d'impact. Oui, non, mais je te taquine. Ok, après, sorry, on the human side, it was the side of the mental health, because obviously it's something really important and you learn from it. And as the viewer, it was about invisible disabilities, because he didn't know much about it and it gave him a lot of emotion and he discovered a lot of things. Et pour moi, je dirais le combat qu'on se mène à soi-même en tant qu'acteur de ce qu'a vécu Lucas et qui me touchait beaucoup. Ce moment où on essaye de se construire une identité, de se trouver, de se chercher, et ce moment où on n'est pas bien avec nous-mêmes parce qu'on ne sait pas comment se définir dans le monde, on a envie d'essayer des choses et on fait face à tout ce que la société nous renvoie. C'est au-delà de juste la sexualité, tout ça, c'est vraiment sur sa recherche d'identité, sur sa manière d'essayer de se définir au monde, sa manière d'essayer d'évoluer, sa manière de se tromper, sa manière de surmonter ses névroses, vraiment ce combat entre soi et soi, quoi. Et après, en tant que spectateur, moi aussi, quoi, je pense que c'est le handicap invisible. Et je pense d'autant plus parce qu'il y avait vraiment une vertu d'éducation. Il y avait vraiment ce truc-là où on a été éduqué, où en plus de ça, je trouve que ce qui était génial, c'est qu'on avait vraiment des personnes qui menaient ce combat-là et qui vivaient du moins cette vie-là, et avec lesquelles on pouvait échanger. Enfin, il y a tout un truc où c'était, même dans la manière de le faire, je trouvais ça vraiment tellement bien, et quoi de mieux que de parler d'une cause qu'on vit, et quoi de mieux que de défendre des personnages dits marginaux dans les séries en vivant ce que vit le personnage. Donc ouais, voilà. Et puis je rebondis sur ce que tu as dit, parce que c'est vrai que c'est hyper intéressant. C'est compliqué comme question, vu que bon, moi déjà j'ai pas encore vu les deux dernières séries. Pardon, je t'ai pas du tout regardé, excuse-moi. Pardon. Désolé, c'était une question compliquée. Non, mais c'est une super question. Mais je rebondis sur ce que dit Axel, parce que c'est vrai que dans le point commun à toutes les saisons de Scam, c'est ça, c'est une recherche d'identité par rapport à. Soit par rapport à rien du tout, mais soit par rapport aussi à quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que. Enfin, je sais pas, même encore aujourd'hui à 29 ans, je suis toujours dans une construction. Moi aussi, mais je trouve que ce pivot-là au tout début, il est quand même. Enfin, quand t'es troublé, quand tu sais même plus qui tu es, que t'en reviens à remettre en valeur des questions profondes, que ce soit ta sexualité, tes valeurs, même de l'amitié, de l'amour, de ta religion, c'est tellement des sujets profonds et. Ouais, on parle comme un café tous les deux. Ouais, du coup, ça. Ouais, hier, mec, énorme. Ah oui, non, mais. Voilà, c'est terminé. J'allais dire que mon voisin a déménagé. Voilà, je tenais à vous le dire. Oh, sérieux? Ouais. Oui. On a gagné. Merci à tous. Alors, du coup, pour Axel, il avait dit que pour lui, c'était, il avait adoré le fait qu'on voit vraiment à l'écran le. Je suis en train de parler français. Ouais, oui. Tout va bien, les 10h du mat.
ensemble. So he was saying that what he loved seeing was the fact that there's this struggle for Lucas to find his identity and not his sexuality. He did find the sexuality too, but it was all about his identity, the kid. Because when you don't know how to define yourself, it's always there's this battle between you versus you, not even the others, before the others, it's just you versus you. And he loved seeing that in the show, but as a viewer, he also loved The Invisible Handicap season 5, because it is something that he didn't know much about at the time too, but he just loved how it was shown. Oui, d'accord. And Maxence added onto that the fact that, once again, about finding their identity. He's 29 and still looking for his identity. We all are. I'm 26, I'm looking for mine. Everybody is, and it's never stops. It will never stop. Okay, so it's really normal for you that when you don't know who you are, your identity, that you ask yourselves many, many deep questions. And it's good to go and dive into the questions and try to get one of the answers that you can get for yourself.